HRP 2021, étape 20, de Salardou à l'étang Sobriou. Je décolle à 7h30, après un petit déjeuner bien garni. Je file direction le plat de Bérette, par une piste facile. Je dois monter de 1250 mètres d'altitude jusqu'à 2600 mètres d'une traite. J'enchaîne, en forme, le dénivelé. Puis j'arrive dans un replat herbeux où paissent les chevaux. Je dois viser la crête. Il n'y a pas de chemin, rien. En grimpant par un éboulis de blocs, j'arrive à un petit col. Sauf qu'à partir de là, je suis censé suivre la crête pendant plusieurs kilomètres, et c'est impossible. Cet endroit demande de vraies compétences d'escalade que je n'ai pas. Je comprends un peu plus tard que je suis monté un peu trop tôt sur la crête, et que la partie que j'aurais pu emprunter se trouve un peu plus loin. Je n'ai vraiment pas envie de redescendre ce que j'ai monté pour remonter plus loin sur la crête. Je descends donc, de l'autre côté du col, dans une pente herbeuse très raide, jusqu'à un chaos de blocs de pierre. J'ai repéré des lacs sur ma carte, qui vont me servir de point de repère, sauf que ce que j'identifie comme le grand lac de ma carte n'est pas le grand lac que je vois. Je passe de bloc en bloc. Je commence à devenir bon à ce jeu-là. Je traverse le plateau chaotique, et juste après une petite crête d'arbre, je découvre le grand lac, le vrai, beaucoup plus bas. Et pour y accéder, je vais devoir trouver un chemin dans une pente raide de blocs, de barres rocheuses infranchissables, tout un programme. Mais je finis par y arriver après pas mal de passages acrobatiques. Je rejoins le chemin qui monte au dernier col, avant le suivant. Thank you.
Après, descendre sur Alios des Îles, qui n'est qu'à 1200 mètres, prend du temps. Les pieds sont fatigués. Environ une heure avant d'arriver au hameau, alors que je recherche un indice pour trouver une sente bien cachée, je croise Katharina, allemande d'origine, qui cherche la même chose. À deux, nous finissons le parcours tortueux, qui demande beaucoup d'attention pour le suivre. Un vrai jeu de piste. Sauf que la demoiselle est trailleuse, elle descend hyper rapidement. Je la suis plutôt bien, mais on est en descente. J'apprends qu'elle fait aussi la HRP, mais qu'elle est partie il y a 11 jours seulement. Je vous laisse imaginer les étapes qu'elle a dû faire. Elle en est à sa deuxième paire de baskets. Arrivée au hameau, il n'y a pas de quoi bivouaquer, et nos cartes respectives annoncent la même chose, le prochain spot est à 7 km, 700 mètres plus haut. C'est parti! À l'heure où normalement je m'arrête car mes pieds se rebellent, me voilà reparti pour 1h30 d'ascension en mode trailleuse furieuse dans de la montagne à vaches bien raide. Parce que, par défi personnel, j'essaye de suivre son rythme effréné. Et de voir au bout de combien de temps je craque. Au moment où je vois le haut de ce que je crois être l'objectif se rapprocher, je jette un œil à mon altimètre et je comprends que c'est au-dessus du mur immense qui se dresse devant moi, 150 mètres de dénivelé environ, que le salut se trouve. Je serrai les dents jusque-là, malgré tous les voyants dans le rouge, mais là, je finis à l'agonie et je la laisse prendre quelques longueurs d'avance. Finalement, le lac est très joli. Mais vu l'heure, je n'en profite pas longtemps. Juste le temps de manger du pain et du fromage, et hop, dodo. À peine couché, il se met à pleuvoir toute la nuit en mode orage. La tente tient bon, et je reste au sec. J'ai dû m'améliorer au montage.